Alors, bonjour, bonjour. Alors, est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est bon, mon retour est bon, on m'entend. Alors, hop, hop, hop. Donc voilà, donc bonjour et bienvenue donc sur Xbox Actu. Donc aujourd'hui, on va découvrir un petit jeu de chasse qui vient de sortir, hein, c'est Way of the Hunter. Donc on va bien voir ce que ça donne. Alors, je précise, je suis pas forcément pour la chasse, mais en jeu vidéo, on va bien voir ce que ça donne. J'avais fait déjà quelques jeux de chasse comme ça, simulation. C'était sympa, donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, Way of the Hunter assure automatiquement le suivi d'analyse de données d'utilisation anonyme. Ces données nous permettent de continuer à améliorer votre expérience de jeu. Vous pouvez désactiver cette option. Vous pouvez les désactiver cette option à tout moment dans les options du jeu. On va aller voir dans les options du jeu. Alors bon, commencer la partie, sélectionner le territoire. Donc pour l'instant, j'ai accès à rien du tout, hein. J'ai pas encore joué au jeu, donc j'ai pas fait de tuto, j'ai rien fait. Voilà. Langue française, format des heures 24, unité métrique. La TH, le réticule. Ah, je peux avoir un réticule. Oh non, non, on va pas. On va essayer de se la jouer un petit peu. Version du jeu? C'est quoi, version du jeu? Ah oui, d'accord, oui, c'est pour voir. D'accord. Vidéo. Mode performance. Qualité visuelle. Et mode qualité visuelle. De toute façon, je peux pas changer. Donc voilà. Les commandes, la manette. Donc on est sur Xbox Series X, j'ai oublié de préciser. Instinct chasseur. Bon bah. Allez, bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Et c'est parti. Et puis bien sûr, je continuerai ma saga sur Arcade Paradise. Et je vais aussi présenter du Roller Dome. Comme ça permettra d'avoir du let's play en plus sur YouTube. Wallace Elliott, Little speaking. Hey, Grandpa. I'm getting closer to the lodge. Your phone magically erased all the contacts again? River. Nurse Evelyn was helping me with it, but she said she doesn't know how these old-fashioned phones work. I'll help you with it when you return. Oh, I'm so grateful you decided to help me with the Bear Den Ranch. Competition is growing every day. Ethically hunted meat with government inspection? Sounds like a pretty niche market. Yeah, you'd be surprised.
But the demand is rising every day. And with the hoax about the disease spreading... What? I can't hear you. River, can you hear me? Better now? Yep. Way better. The service in the valley is really bad, so I'll make it quick. I've sent you a package a day ago, but I'm not sure when it will arrive. Just make yourself at home and maybe greet your old friend Echo. You know, it's been a while. Oh God, I forgot about her. How long has it been? 10 years. I hope you didn't forget the keys. Oh God, I did. What should I do? Don't worry. The spare is in the usual spot. All right, I'm here. I'll call you later. And be nice to the nurses. Well, tell them to be nice to me. I'm always a gentleman. And kiddo, or I guess I should start calling you River now. Welcome to the Nez Perce Valley. Eh, hey, salut, salut! Salut, ange et démon. Bienvenue à toi. Alors, là, je suis en pleine découverte. Hein. Je découvre le jeu. À chaque fois, je fais toujours des découvertes dans les conditions du direct. Ça va bien, ouais. Merci à toi. Hein. Merci à toi d'être présent. Présent ou présente. Oh, I forgot the keys. The spare must be in the mailbox. Ah, un double dans la boîte à lettres. Alors, on va aller dans la boîte à lettres. Thank God we have a trustworthy mailman. It's been a long time. Voilà, on est rentré. Alors, dis-moi, ça me dit que je vais disponible dans 5 heures. Ou. Ah bon? Oui, il sort aujourd'hui. Il sort aujourd'hui, mais moi je l'ai. Tu joues sur quoi? Tu joues sur quoi, toi? Sur... Moi, je suis sur Xbox. Ah bah alors, je peux pas l'ouvrir. Utiliser l'ordinateur. Ah, tu joues sur Play, ouais, parce que en fait, moi, je joue sur Xbox. Et alors, sur Play, ça fonctionne pas. Hein, mais moi, je mets la console en pays Nouvelle-Zélande. Et ce qui fait qu'en fait, on peut jouer au jeu le jour de leur sortie. Parce que pour moi, tu vois, le jeu, il sort aujourd'hui. Il devrait être dispo dès minuit, en fait. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Hein, peut-être que c'est moi qui vois le mal ou quoi que ce soit, mais... Ah. On va s'équiper. Secondaire. Bon, pour l'instant, forcément, j'ai rien. C'est logique. Ouais, voilà, moi là je joue. Je t'ai dit là je joue sur. Là je suis sur Xbox donc. Après le jeu sera pareil. Tu joues sur Play 4, Play 5? T'as la chance d'avoir une PS5? Attends, je pense que j'ai tout dit dans l'objet. Tu as anéanti ma femme avec ton loisir cruel. Je ne veux pas que mon fils subisse le même sort. Sa vie et sa carrière sont à Los Angeles. Il vient t'aider uniquement. Par compassion
Et à cause de ton chantage émotionnel, n'essaye pas de lui retourner la tête avec tes histoires, je t'interdis de lui parler de l'avenir. Alors, la même, j'aurais cru. Ouais, voilà. Mais moi, ça, toi, ça fait partie des choses qui m'embêtent parce que si tu achètes ton jeu, je l'ai vu, il était en vente chez Micromania. Hier, il était chez Micromania, hein, le jeu, hein, il était en physique. Bah, tu pourrais y jouer tout de suite. Donc, équipez-vous de la vieille carabine du grand-père. Bah, c'est bon, non? Ah, il faut fixer. Ah, il faut aussi que je fixe la lunette. Voilà. Si je lis pas ce que je fais. Ouais, bah, moi aussi, ça a été Day One. Ça a été Day One. Bah, je l'avais précommandé. Dès qu'ils ont lancé les précos, je suis allé tout de suite. Je suis allé tout de suite la préco et. Alors, où est le premier étage là, par là? Ouais, pareil, moi je l'ai. Je me suis dit ça pue, bah, comme la Series X en fait. Elles avaient été annoncées quasiment à. Elles avaient annoncé quasiment à 1 heure d'intervalle, je crois. Enfin, à deux, quelques jours. J'ai dit, oh là là, je dis ça pue. Je dis, il faut à tout prix que je me connecte. Et que je suis allé directement dans le Micromania. Ah! Salut, tatatata. Salut Kitalas. Bah écoute là, je viens juste de commencer. Donc j'aime bien les Hunter aussi, Hunter Call the Wild, j'aime bien aussi. Donc bon, on va voir, bah déjà c'est beau. Alors si tu arrives, parce que je crois que j'ai pas précisé, je suis, bah si c'est écrit, je suis sur Xbox Series X et puis bah Ange et Démon, on était en train de discuter du fait que c'était pas cool de ne pas pouvoir jouer au jeu maintenant en fait. Tu vois, tu l'as acheté ton jeu et. Et en fait, il est dispo. En général, les jeux en démat, ils sont dispo genre à Si, c'est mon 15h cas. ou 16h, voire 18h des fois. Salut Alexandre, il sort cet après-midi. Il sort cet après-midi. Et d'après. Salut Don Diego. Eh, très bon. Don Diego, c'est très bien ça. En fait, j'ai fait du Zoro l'autre jour. Modifier le présentoir de taxidermie. Ah oui, d'accord. Donc il va falloir certainement. Quand je vais tuer des animaux, je vais pouvoir les mettre ici et les exposer. Ouais, il est pas dans le Game Pass. Ouais. Alors fais voir, le jeu sort à 19h sur Steam. Ah bah tu vois, regarde en Gdémon. T'as vu? Sur Steam. Et bah justement, toi, bah dans Diego, on était en train. On parlait, on disait que. Voilà, toi, si tu vas acheter ton jeu là, tu vas chez. Enfin, bon, sur PC, c'est plus compliqué maintenant, mais You've tu vas chez discovered Micromania, Nespers Carrefour, Auchan, Valley enfin ce que tu veux, quoi. grassland T'as habitat. ton jeu en physique, tu peux Home déjà y jouer country en for fait. beginners and seasoned veterans alike. The meadows serve as Ouais, prime donc feeding 4h30, ouais. areas for both Après, comme je te pheasants dis, si and quelqu'un joue badgers. sur Xbox, Undisturbed grasslands with il suffit tall de mettre sa grass have console. the En fait, vous potential mettez to dans hold a région lot of Nouvelle-Zélande. small but also Et some bigger en gros, game. vous pouvez jouer. Des fois, vous pouvez même jouer la veille. Moi, ça m'est déjà arrivé de pouvoir jouer la veille de la sortie. Quand le jeu sort à minuit, bah, j'y joue à 13h, mais la veille. Genre, s'il sort le 20 à minuit, et ben moi, j'y joue le 19 à 13h. Puis, bah, ça me permet de faire des petits lives un petit peu en avance. Bon, après je vous le dis, hein, moi je suis tout petit, je fais des petits streams comme ça tranquille. Je fais ça mes jours de repos. Salut Stevie! Merci à toi d'être présent. It's Ah, j'ai faster pris ma to make it voiture. righter. Bon déjà, il est propre le jeu, je trouve, parce que bon, les jeux de chasse, ils sont pas forcément super beaux à chaque fois, mais enfin, moi, je m'en moque des. Bon, attention, hein, ça fait plaisir d'avoir un jeu magnifique et tout, hein. God of War, tout ça, ça va être excellent. Hein. Oui, parce que je précise, je m'appelle Xbox Actu, mais je joue sur toutes les consoles, je stream sur tous les supports. Hein, je suis en train de jouer à Xenoblade Chronicles 3, je joue à God of War, j'adore The Last of Us, j'adore Halo, enfin, bref, je suis un joueur, quoi. Alors. There's the bridge.
traversez le pont et prenez la première à gauche. Attendez, je vais regarder un peu ce que vous me dites. Même si tu achètes la version physique sur PC, tu seras bloqué par Steam qui te dira. Ah ouais, ah oui, c'est vrai que sur PC tu dois passer par un launch, par le launcher Steam. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoute Stevie, alors moi perso ça va bien, je pense que tout le monde va bien. Tout le monde aimerait jouer déjà au jeu en fait. Alors Steam, oui, alors. Non, 19h c'est toujours heure. Ouais, voilà, ouais, je pense. Après, vous voyez, moi, j'ai travaillé, c'est plus le cas maintenant, hein, mais j'ai travaillé, de toute façon, l'enseigne n'existe plus. Je sais pas si vous êtes assez vieux pour avoir connu cette enseigne Dog Games, qui était devenu Game Cash à la fin. Je sais pas si vous avez connu, hein. J'ai travaillé et j'ai jamais compris. Des fois, le jeu sortait le vendredi, on le recevait le lundi. Mais on pouvait pas le vendre. Dit, on les a tous en magasin, je veux dire, si nous à Dog Games on avait le jeu, Auchan le lavait, Micromania le lavait, enfin voilà, enfin je vous passe toutes les enseignes, je sais pas si je suis sur le bon chemin là, je crois que je vous parle et je me paume. Ça c'est parce que j'aime pas chasser, alors du coup, moi je dirais que c'est peut-être là. Ah, là. Oh, le 4x4 il ramasse là. Perso j'aime bien les. J'aime bien les jeux de chasse. Et c'est vrai que tout à l'heure, je sais plus. J'ai vu un peu plus haut. Dommage qu'il soit pas dans le Game Pass. C'est vrai que ce genre de jeu. Ce genre de jeu, ça pourrait. Ce genre de jeu ça pourrait faire un très bon plan pour le Game Pass, ouais. Ça ferait connaître la licence en fait, parce que faut admettre que notre premier réflexe c'est pas d'acheter un jeu, c'est pas de se dire allez vite on va acheter un jeu de chasse quoi. Et au final moi je suis pas dans la vraie vie, je suis pas forcément pour la chasse ou contre, enfin hein, je suis pas chasseur. Mais je trouve sympa de jouer comme ça. Après j'aime bien tous les trucs simulation. J'ai une chaîne YouTube qui me sert pour mes replays où en ce moment je suis en train de jouer à Arcade Paradise. Donc et c'est plutôt sympa. Alors, salut les coups. Alors je regarde un peu ce que vous dites. PDL, Gigo. Yes, Ange Démon, bah écoute, merci. Puis bah, ouais, Dog Game, ça date. Hein. Puis bah, n'hésite pas hein, si tu veux me follow. Enfin, me follow. Juste follow, hein, je demande pas d'abonnement. Hein. Moi c'est du loisir. Hein. Sur Twitch et puis YouTube. C'est le même nom, c'est Xbox Actu. Alors non, pas assez lourd pour ça. 10 Giga max. Ouais, sur Xbox, il doit faire 7. Là, je suis sur Series X, il doit faire 7 ou 8 Giga, je crois. Un truc comme ça. Ouais, en général, t'as un pré-download histoire de pouvoir le lancer vraiment dès que le jeu est disponible en fait. Alors, je dois aller où? J'ai même pas regardé en fait. Accéder au champ de tir pour peaufiner vos talents de tireur. Ah. Je dois avoir une carte. Ah d'accord. Bon, il n'y a pas voyage rapide. Il y a voyage rapide. Ouais, ben. Mais franchement, Don Diego, ce serait bien. Clairement. Ce genre de jeu. En plus, ça, moi, c'est. Alors, moi, c'est ce que j'aime. Alors, je sais, hein, il y a des gens, ils sont anti-Game Pass ou anti-PlayStation Plus, tout ça. Moi, ce que j'aime dans le Game Pass, c'est que voilà, des fois, il y a des jeux, tu te dis, bah, jamais j'irai acheter ça. Puis, bah, au final, régler le point zéro de votre carabine.
En fait, tu te dis, ouais, je m'en moque, je jouerai pas à ça, puis au final, bah, tu dis, il est là, donc je vais le télécharger, t'essayes, puis bah, tu découvres des jeux auxquels t'aurais peut-être jamais joué en fait. Touche la cible. Repère à 50 mètres. Donc là, je l'ai touché. 150 mètres maintenant. Oh là là. Bon, je vous explique, je suis pas du tout un bon tireur. Ah, il faut peut-être penser à la retombée de la balle. J'ai touché ou pas? Alors, en fait, c'est direct. C'est chaud. Hein? Ah, le point zéro, voilà. Bon alors Bambi là. Ah je l'ai eu je crois là. Bon il faut que je recharge. Alors attends je regarde. Il arrive peut-être dans le Game Pass. Ouais il arrivera, ce serait bien. Ouais on est d'accord, le Game Pass. Tout comme, attention hein, moi je suis pas du tout dans les guerres tout ça. Bon pour l'instant le Game Pass il tue complètement le PlayStation Premium hein, parce que beaucoup disent ouais il y a plein d'exclusivités. Oui mais l'avantage du Game Pass quand même, c'est d'avoir pas mal de nouveautés, on va dire. Bon, après, il y a eu Stray quand même, qui est très très bon. Stray. Alors, toucher la cible dans la zone des organes vitaux. Bah là, ça c'est vital, là, ce que je fais. Là, il doit avoir à peu près son cœur, le petit Bambi, là, ici, non? Eh, mais je vais me déplacer, je vais tirer de près. Attends. Ah d'accord, c'est 150 mètres. C'est lui là-bas. Forcément, je peux toujours tirer. Faut que je recharge. Attends, je regarde. Ce que je n'aime pas en revanche sur le Game Pass, c'est que le jour où le jeu est retiré, tu l'as plus. Il ne t'appartient pas, il faut l'acheter en DLC. Nanana. Ah oui, bah oui. Bah ouais. Ouais, bah oui. Bah là, normalement, dans le Game Pass, alors si vous l'avez jamais fait, c'est une rumeur, hein, il devrait y avoir. Mon point zéro, il est bon, ouais. Ah bah voilà. Normalement, il devrait y avoir Immortal Phoenix Rising. C'est un jeu d'Ubi qui avait été totalement cassé à l'époque. Ce jeu est excellent. Alors j'essaie de le toucher lui du coup. Eh les animaux, si j'étais un vrai chasseur, il serait en train de se prendre des barres. Ah, je suis à 100 mètres. Faut que je recharge. J'ai claqué tellement de balles. Alors, après, il n'y a que des jeux ce côté. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, en gros, hein, alors je suis pas dans les papiers de Microsoft forcément, mais je pense vraiment que. Voilà. Je pense vraiment que. Voilà. Je pense vraiment que dans le Game Pass, c'est suivant l'audience, il doit avoir certainement quand on joue des statistiques à se dire. Bah tiens, tel jeu, il y a tant de personnes qui jouent, donc on le laisse. Et après, des deals commerciaux aussi. Hein. Je pense que quand GTA est arrivé, ils ont dit, ah, bah voilà, écoute, on te donne de l'argent, tu nous mets GTA pendant 3-4 mois. Après, GTA, je comprends pas. Il y a toujours des gens qui l'achètent. Il y a un moment, je sais pas, ils doivent être à 150 millions, un truc comme ça, un truc de fou. Mais il y a toujours des gens qui l'ont pas, ce jeu, ou qui l'ont pas fait. Lire, on va se mettre en français, hein, parce que bon. Alors, et voilà, n'oublie pas de t'occuper des blaireaux qui font des ravages, des ravagites, cordialement. Placez-vous dans l'observatoire près des ravages des blaireaux. Donc c'est par là, on va regarder. Oh, on va quand même. Il y a un point d'interrogation là, ici. C'est quoi le point d'interrogation?
Bon, avant d'aller au point d'interrogation, on va d'abord on va arrêter de se la péter. On va avancer. Ouais, il y a pas mal de jeux sous-côté. Après, tu vois, il y avait un jeu Outrider. C'est Square Enix. Le jeu, il avait été défoncé par la presse et tout. Moi, je me suis dit, bah, il est dans le Game Pass. Je vais essayer. Bah, je l'ai fait, je l'ai fini. C'était pas un jeu de dingue, mais on jouait avec des potes, on s'est bien marré, quoi. Vraiment, on s'est bien amusé. Et pourtant, si t'écoutais la presse, c'était un jeu de merde, le jeu le pire du monde. Fallait surtout pas toucher à ça. Moi perso, je trouve le jeu sympa. Pas à 70 euros, voilà. En fait, des fois, tu sais, je me dis, tu mets pas 70 balles. Mais comme là, The Last of Us qui sort à 80 euros, c'est un peu abusé. Je trouve ça un peu abusé. Ça aurait dû être 40, peut-être 50 quand même, parce que bon, il y a quand même du taf, hein, mais. C'est faire de l'argent, j'ai l'impression que c'était vraiment faire de l'argent pour faire de l'argent. Bah ils sont là, regarde. Oh. Si vous avez des questions, tout ça sur le jeu, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, je répondrai. Comme je dis, hein, je suis pas du tout un, je suis pas un professionnel, je suis un joueur. Je suis un joueur avec un petit peu d'expérience. Mais moi, je fais ça pour le loisir et m'amuser, quoi. Alors, tirer sur un blaireau. Ah, mais ça court, ces saletés. Attends, je crois que j'en ai vu un, là. Ah, j'avais cru en voir un. Ah là. Oh, je l'ai eu. Ah non, je l'ai pas eu. Non, je l'ai pas eu. Ah oui, d'accord, il est blessé, il est blessé. D'accord. Il est blessé, donc maintenant... En gros, il faut que j'aille le finir. Eh, hey, salut à l'achat. Ça va bien? Merci à toi d'être présent. Présent ou présente, hein. Voilà, je dis toujours présent ou présente. Avec les pseudos, on sait jamais si... Si c'est un garçon... Garçon ou fille. Homme, femme, tout ce que vous voulez. Alors... Analyser. Voilà. Oh ben. Ça y est, j'ai ma première proie. Je l'ai touché comment? Ah bien, ça me dit comment je l'ai touché. Alors, ouais, ça va, super. T'inquiète, alors moi, j'ai pris que God of War. Ouais, moi aussi. En attendant, je me tâte à quoi jouer. Ce jeu que tu fais actuellement est bien. Bah écoute, bah là je suis en découverte, je suis à 30 minutes. Je viens de tuer ma première proie. Le jeu est plutôt sympa. Moi, ah bah moi aussi, moi cet après-midi, je serai pas dispo, ça c'est sûr. Mais donc oui, après je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous pouvez dire aussi dans le chat, bah, y a Don Diego, tout ça, bah lui il a hâte d'y jouer. Moi j'aime bien ce genre de jeu, les jeux de chasse comme ça, je trouve ça... Alors c'est détente et pourtant pourtant je suis pas chasseur dans la vie. Voilà, pas faire le stéréotype du « ouais, génial, j'adore tuer des gens, j'adore tuer des animaux, j'adore ». Je préfère tuer des gens. Là, vous allez me prendre pour un gros psychopathe. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Et tout. Alors, je regarde un peu ce que vous dites. Préco. Ouais, Ragnarok, je pense qu'il va envoyer du pâté. Hein. C'est bien de pouvoir y jouer.
Le but du jeu après, c'est de te nourrir. Et... Alors, pour l'instant, ouais, alors là, pour l'instant, j'ai des objectifs. Toi, là, il fallait que je tue des blaireaux. Ouais, c'est beau, c'est réaliste. Alors, ces jeux-là, ils sont vraiment très réalistes dans le style graphique. J'ai regardé plusieurs streams et vidéos. Ouais, non, mais si, si, si. Ah oui, par contre, oui. C'est pas un jeu de survie. Ouais, voilà, ouais, merci Don Diego. Hein, parce que des fois, tu sais, je lis entre les lignes. C'est pas un jeu de survie. C'est un jeu, en fait, bah, t'es chasseur, t'es dans ta cabane dans la montagne, et puis bah, tu pars. T'as un mode scénario, ou après, tu peux être en mode libre, où tu dis, bah, je me balade, et puis je shoot. Je shoot, quoi. Ah, voilà. Donc, en fait, donc, quand je le tue, je peux le vendre à 22$. Je peux faire de la taxidermie. Donc, je pense qu'il faut que je fasse de la taxidermie histoire de. Ah, et puis là, je vois comment je l'ai tué. Bon, alors j'ai touché aucun organe vital, donc j'ai raté. Donc, désolé, petit blaireau. J'avais rien contre toi. Donc, là, lui, voilà, encyclopédie. Voilà, d'accord. Alors, prélever un blaireau, servez-vous de l'observatoire ou chassez à pied. Voilà, donc là, j'ai le choix. Ouais, voilà, exactement, exactement. Donc là, je l'ai tué. Donc voilà. Je vais aller à l'observatoire, je vais en tuer un. Parce que je crois qu'il fallait pas que je fasse des taxidermies. Parce qu'il faut que j'en. Je pense qu'il faut que j'en vende un. Et dans le jeu surtout, hein, il faut pas courir comme un gros malade, hein, parce que vous affolez les animaux. Tu peux pas arriver en arrivant comme un gros dingue et puis après dire, allez, c'est bon, je me pose et je tue. Hein. Faut être très discret. Bon, en fait, comme alors. S'il y a des gens, s'il y en a d'entre vous, s'il y en a certaines d'entre vous qui chassent, moi je suis pas chasseur, mais je pense que c'est ça, hein, de toute façon. Hein, moi je vais à la pêche, c'est différent. C'est calme en fait, il faut être tout calme, il faut pas affoler les animaux, parce que là je pense que j'ai dû leur faire un petit peu peur aux animaux. Regarde-toi les objectifs, ils sont là, regarde-toi, c'est marqué. Objectif, c'est pas marqué. Ah, si, voilà. Pam, pam, pam. Voilà. Objectif. Il faut le prélever. Voilà. Ok. Et là, je peux essayer de repérer avec mes jumelles s'il n'y a pas des blaireaux dans la zone. Instinct de chasseur, tiens. Ah, pas mal. Ça peut peut-être me permettre de repérer des proies plus facilement. Eh, hey, amateur, salut! Et attends, je te fais mon petit Master Chief aussi. Alors non, après pour moi, le gros point noir des jeux, ce sont des armes et des petits gibiers qui est mal modélisé. Ouais, non, ouais, je suis d'accord. Non, 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 on peut pas pêcher. Hein. On peut pas pêcher. Je disais que moi, en fait, je vous posais la question s'il y avait des chasseurs ou chasseuses. Ça, c'est dur à dire ça. Chasseuses parmi vous. Mais voilà, c'est. Oh bordel. Je crois qu'il y a un ours. J'entends un ours. Là, par là. J'entends un ours. Ah! Bah voilà! Je t'ai eu là, non? Ah ouais, j'allais dire.
Voilà, là je vais le prélever. Ça va bien? Ça va bien, amateur? Alors, on va aller prélever. Je vais faire attention parce que je crois que j'ai entendu un ours. Récupérer l'animal. Alors, du coup, c'est comment le prélever? Donc, je vais mettre lecture, peut-être? D'accord, bah je vais le vendre, on va voir ce que ça fait. C'est pas écrit prélevé, hein, on est d'accord. Là, ça me dit ce que c'est. Ah, c'est bien, on a plein de détails en fait. Voilà, c'est bon, il est prélevé. Ah voilà, et du coup, acheter une Remington à verrou, une carabine adaptée pour la chasse aux cerfs. Voilà, oui, parce que en fait, forcément, vous doutez, il y a des armes plus ou moins puissantes suivant le gibier. Dire. Alors, je regarde, je peux te donner des. Si je peux donner un conseil, tire juste derrière les pattes avant pour avoir. D'accord. Oui, en fait, comme ça, je touche les organes vitaux, ça, Don Diego. Ouais, parce que j'ai vu du coup, il bougeait encore parce que je lui ai tiré dans des parties non vitales, ouais. Merci beaucoup des conseils, en tout cas ça fait plaisir parce que je fais pas beaucoup de jeux comme ça. Et vous allez petit sondage comme ça, qui joue sur quoi? Bah, sauf ceux, je sais, alors amateur je sais c'est PlayStation. Pas PlayStation 4 hein, et Nintendo Switch, si je dis pas de bêtises. Ah d'accord. Donc en fait, moi, je tire là où il faut pas tirer, c'est ça? Toi, tu joues sur PC, Don Diego. Bah oui, t'as ton Steam. Alors du coup, j'ai fait de la taxidermie. Alors, est-ce que du coup, en faisant de la taxidermie, est-ce que j'ai... Bon, on verra plus tard. Il faudra que je regarde si j'ai mon fameux... Alexandre Xbox Series, yes. Alors du coup, il faut que j'aille dans la boutique, il faut que j'achète une Remington. Alors, je ne vais pas me tromper, je vais quitter et c'est une Remington 783. Je vais pas dépenser tout mon argent pour rien. Voilà, donc là j'ai une Remington 183. 783. C'est acheté. Équipez-vous de la carabine et fixez-lui un viseur. Ah, tu vois, il y a plein de choses qu'on va pouvoir changer. Ah, il y a un mode photo. Alors. The basement's still locked. It's been a mystery since 2002. Cet endroit est toujours un mystère. Bon, bah ça va être un endroit à chercher. Alors du coup, je m'en équipe et je mets la lunette. Atteignez la prairie en hauteur. Alors, Xbox Series. Je sais... Ah bon, attends, on va regarder. On va regarder. Bonne question. Bonne question. Alors, armes. Bon. Là, pour l'instant, ce sont que des armes à feu. Fusil de chasse. Voilà, c'est par catégorie. Toi, les fusils, je pense que ça va être plus pour les canards, tous ces trucs-là. Alors là, il n'y a rien. Équipement. À peau, d'accord. Ah, ça, c'est bien. Ça, ce sont. C'est les appâts pour les appâts pour les attirer, d'accord?
Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Non, bah, je pense pas. Hein. Bon, il y a des lunettes qu'on peut acheter un peu plus ou moins performantes, hein, avec un zoom plus fort. Et d'élimination. C'est quoi ça? D'élimination. Ah, permis privé. Ah, bah voilà, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Salut Budapest. Salut le Chris, ah, d'accord. Ouais, voilà. Donc, ouais, voilà, il n'y a pas. Y a pas d'arc. Et ça, c'est ce que disait, je crois, c'est Don Diego. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, les licences, ça, c'est pour pouvoir aller chasser dans certaines zones. Voyez, là, il y a différentes zones. Ah ben, on voit, à mon avis, ça doit être canard. Ou alors, c'était juste pour le décor, hein, mais... Il y a quoi là-dessus? Diamant. D'accord. Bon, en tout cas, là c'est fait. Donc, bon, on va essayer d'aller atteindre la prairie en hauteur. Ah! Seems like grandpa's my biggest fan. Seems like grandpa's my D'accord, biggest c'est la fan. même chose. Ça, c'est la carte. Et du coup, alors, est-ce qu'on est loin? D'accord. Bon, on va prendre. On va voir si on peut prendre. Ah! Du coup. D'accord, du coup la voiture elle est pas venue avec moi. Alors vu que je veux pas y aller à pied. Ah ouais! Allez boule! Allez boule, j'ai plus ma voiture. Bon, il n'y a pas un truc pour appeler sa voiture? Il n'y a pas un truc pour appeler sa voiture? Non. Sans sérieux. Genre, j'ai pas un petit truc faire apparaître le véhicule un peu comme dans Far Cry. Bon, on va y aller à pied. Alors, a priori, les devs ont dit que l'idée d'un arc dans le futur n'est pas. Ah, yes! Peut-être futur DLC. Là, vous avez vu sur le coffre-fort, c'est. Sur le coffre-fort, c'est le nom du développeur, c'est le nom des développeurs, parce que c'est édité par THQ Nordic, mais c'est Nine, je sais plus trop l'éditeur, enfin le développeur. Bon bah du coup on y va à pied. Hein. Ça permet de découvrir la faune. Oh, bah, c'est mon stand de tir ça. Ouais voilà. Je vais regarder s'il y a une endurance, si genre je peux courir, 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 courir. Ah, je peux le rappeler derrière le chalet. Oh, Globu, oh, merci. Attends, heureusement que t'es là. Je vais aller voir derrière le chalet. Merci, merci, Globu. Si, à chaque fois je dois tout me faire à pied, ça va être un petit peu la galère. Voilà, et donc tu m'as dit derrière le chalet. Comme ça on va y aller en Jeep. C'est mieux. Ah là peut-être ouais le P de parking et ça va me dire appeler le véhicule, non? Ah bien vu, merci. Sélectionner le véhicule, ouais. Ça y est, j'ai sélectionné le véhicule. Du coup, il est là maintenant? Oh yes! Bon, je l'ai demandé. Ah si, c'est bon, j'allais dire, je l'ai demandé vert. Eh, hey, Globu, franchement, merci beaucoup. Il y a un arbre de compétences? Ouais, oh ouais, j'ai vu ça. Où est-ce que j'ai vu ça? Regarde là. Il y a des choses. Je pense qu'il y a des choses qu'on va pouvoir débloquer. Regarde-toi, il y a des. J'ai des objectifs. Toucher au cœur, au poumon, des objectifs. Alors, est-ce que ça va être de la compétence? Je sais pas. Alors, oui, au départ, c'est mieux d'investiguer autour du chalet pour découvrir la faune et randonnées permettent aussi de débloquer des compétences. D'accord. Ouais, donc en gros, j'y vais à pied. Vous préférez que j'aille à pied ou en bagnole alors? C'est vrai que la voiture, c'est vraiment le gros bourrin.
Ouais, bah, je pense qu'on va y aller. On va y aller à pied. Tiens, comme ça au moins, je vais t'écouter, Globu. Je vais t'écouter, Globu, comme ça au moins ça nous permettra de. Alors désolé, hein, contre-temps là où en fait j'ai fait aller-retour, aller-retour, aller-retour. Mais c'est vrai que je pense qu'on va pouvoir et puis peut-être débloquer des lieux. Ouais, alors, alors Globule, je suis entièrement d'accord. On s'amuse sur ce qu'on veut, quand on veut. Il y a des gens qui s'éclatent sur mobile, il y a des gens qui s'éclatent sur Switch, il y a des gens qui s'éclatent sur Xbox, sur PlayStation, sur PC. Il y a des gens qui s'éclatent sur tout, un peu comme moi. Moi, sauf PC. PC, je joue pas beaucoup. Mais sinon, Switch, Switch mobile. Les petits jeux à la compu. Bon, après, avec le Game Pass aussi, des fois, ça m'arrive. Quand j'ai un transport, tu te mets en cloud gaming, c'est pas mal aussi. Après, ça dépend de la connexion que tu as. Hein. Si la connexion est toute pourrie, forcément, dans les trains, c'est pas fou. Mais quand tu es en ville, tu as moyen, hein, ou quand tu attends dans une gare ou un truc comme ça. Ah, c'est clair, mais il y a trop. Bon, bah, je crois que j'ai raté des canards. alors. J'ai un message. Voilà, c'est good. Ouais, puis au moins on découvre le jeu, je veux dire. Vous avez vu là le fait que j'arrive comme un gros bourrin, j'effraie tous les animaux. Par contre, au casque, c'est excellent. On entend vraiment à droite, à gauche. Bon, on va aller à l'objectif. Là, le but, c'est de faire les objectifs. Voilà la sorte de tuto, on va dire. Ah! Effrayer les animaux, tiens, voilà. Il avait dit, effrayer les animaux. Non, bah toi, t'as de la chance parce que je suis en train de chercher après un cerf. Ah, avec l'instinct de chasseur. Ah, bah voilà. Avec l'instinct de chasseur, il me faut un cerf mulet ou un cerf à queue blanche. Donc en fait, là, il y a un cerf. Ok. Bon, l'instinct, c'est que quelques instants. Faudrait que je me trouve un point un peu surélevé pour essayer de ne pas trop effrayer. Ah, là-bas. Là. Ouais, je vais aller là. Alors, je vais faire tout oh, au bord de l'eau. Il y en a peut-être un en train de boire. Je vais aller tout doucement. Alors, n'hésite pas à utiliser l'instinct de chasseur afin de découvrir des zones de passage, de repos, de nourriture. Oui, j'avais déjà fait. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de chien. Alexandre, pour l'instant, il n'y a pas de chien. Oui, parce que des fois, on repère, comme dans les autres jeux de chasse, genre, il y a des crottes de cerf, tout ça, ou alors l'herbe est écrasée, donc on se dit que voilà, les cerfs dorment ici, les animaux. Certains animaux dorment là, c'est ça, c'est ce que tu veux dire?
Ouais, voilà, non, oui, ça c'est excellent. Puis, je sais, comme ça, des fois, ça te dit que les animaux sont nocturnes, donc du coup, ils ont tendance à dormir de telle heure à telle heure. Donc, limite, tu peux attendre et puis qu'ils viennent se coucher ou qu'ils soient en train de dormir. Bah, comme dans les anciens jeux, enfin les autres jeux de chasse que j'aime bien. Alors, fais voir. Non, ouais, voilà, pas de chien de sang, hélas. Ouais, c'est ça. Puis après, au niveau de l'IA, mais il n'y avait pas un jeu de chasse où il y avait des. Il n'y avait pas un jeu de chasse où il y en avait, justement. Bon, alors je crois que le cerf, il était plus par là. Non, ils vont être par là. Oh! Ah ouais, mais il est un peu loin quand même. Il y en a. Faut qu'il se rapproche un peu quand même, parce que là, il y a lui. Il y a celui-là, là, que... Alors, je sais pas si vous voyez bien sur le stream, il y a lui, là. Il est pas mal. Mais il est un peu loin, je trouve. En fait, je sais pas si je vais pouvoir l'avoir. Alors, attends, il est à... On va dire, il est à 200 mètres. 150 mètres ou 200 mètres, là. Oh. Et si je... Allez, je vais le tenter, de toute façon. Oh, touché! Touché ou pas? Touché ou pas? Je l'ai touché ou je l'ai pas touché? Je crois que je les ai tous fait fuir. Si tu as un chien. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Si, si, ouais, je savais qu'il y en avait un où il y avait un chien. Alors, je l'ai eu ou je l'ai pas eu, mon cerf? Bon, vu que je sais qu'ils sont au bord de l'eau, je vais essayer de me rapprocher. Je vais essayer de me rapprocher. Et de me mettre genre dans les buissons et pas bouger. Bon, je crois que je me suis complètement foiré. J'ai vu que mon point zéro n'était pas bon. Il y a des mouches. Je sais pas si je l'ai eu en fait. Je sais pas si je l'ai touché. Attends, attends. Oh, je croyais que c'était un ours. Il va peut-être pas faire les foufous quand même. Ah, ça m'a pas indiqué. Ça m'a pas indiqué si je l'avais touché. Ouais, non, mais c'est ça qui ne tente rien à rien. Et je me suis dit, je vais être là. Alors, par contre, pour retenir son souffle, c'est. En fait, tu dois viser. Tu dois viser avec LT et retenir ton souffle avec LB. On va dire donc sur PlayStation c'est L2. L1, L2. J'essaie de me rapprocher un peu. Alors là, je pense que si je marche là-dedans. Je vais te repérer à 15 000. Ah, genre ça. Du coup, j'ai plus envie de bouger. Alors, petite cheat pour voir facilement. Utilise le mode photo et déplace-toi. Ah yes, oui, j'ai vu le mode photo.
Mais pas bête, comme ça je vais pouvoir aller voir si. D'ailleurs, quelle tête a mon chasseur, hein? Putain, mon chasseur c'est qui? Mon chasseur c'est Kinvé là. Ah, je vais aller voir si je l'ai touché du coup. Eh, pas mal. Eh, merci pour le cheat, franchement, Globule, là, t'as sûr. Ah, je suis pas. Je ne suis pas assez loin. Mais par contre, ça peut être pas mal pour. Ouais, pour aller voir, ouais. Je vais me rapprocher encore un petit peu. En tout cas, merci beaucoup de tous vos conseils. Hein. C'est vraiment sympa. Bon, je vais pouvoir du coup me rapprocher et voir si je l'ai eu. J'avais vraiment l'impression de l'avoir touché. Oh, on dirait qu'il y a du sang là, non? C'est pas un zoom sur la caméra. Là, juste là. Bon. Je vais aller voir. Je peux pas me noyer au moins, hein. On est d'accord. Eh, salut Voodoo! Salut Voodoo, merci à toi d'être présent ou présente. Au fait, j'espère que je vous crie pas trop dans les oreilles. Alors. Ah! Je l'avais touché. Avec couleur du sang rouge, ouais. Net. Et après, il faut réussir. Ah bah. Là, avec l'instinct, non? Donc là, il y a le sang. Ok. La question est, est-ce que je vais réussir à en avoir un? Alors, une idée de l'heure de sortie. Alors, sur PC, d'après ce qui a été dit, ce sera à 19h ce soir sur Steam. Alors, et pour ceux qui arrivent, ceux qui l'ont acheté et qui jouent sur Xbox, mettez votre console en Nouvelle-Zélande. Vous allez dans les paramètres, c'est dans région. Vous laissez tout en français, mais la région, vous mettez Nouvelle-Zélande. Et vous pourrez jouer tout de suite. Alors, si tu regardes les animaux avec les jumelles, ça te dit mâle, femelle, jeune, mature. Ah, d'accord. Bah, de rien, Voodoo. Et puis, bah, merci à toi d'être là et puis de passer. Alors, c'est live au calme. Hein. Moi, je suis. Je joue surtout, je m'amuse surtout, je suis un gros noob. Alors, je joue pas à beaucoup de. À PC, c'est 18h. D'accord. Vous pouvez pas prendre un truc genre un VPN et dire que vous êtes en Nouvelle-Zélande, je sais pas si ça marche sur PC. J'essaie d'arriver tout doucement. Vais-je réussir à en avoir un? Alors sur Steam, c'est. Ouais, parce que là, Don Diego, tout à l'heure, j'avais, c'est toi qui avais dit, ouais, c'était 19h. Hein.
Déjà, est-ce que... Ouais, je suis toujours dans la zone. Est-ce que je peux m'allonger? Ah, je peux m'allonger. J'arrive tout doucement. En tout cas, je l'avais touché. Attends, je file, je veux pas me spoiler. Ouais, yes. Bah merci, merci beaucoup et n'hésite pas à t'abonner, enfin t'abonner, enfin follow. Hein. Je demande pas d'abonnement, je demande pas d'argent. Je suis personne et même si j'étais quelqu'un, je demanderais pas d'argent parce que le jeu vidéo doit être partagé gratuitement et en loisir. Si on a inventé les plateformes de streaming, c'est pour ça. Bah merci à toi, puis bah bonne journée, puis bah surtout éclate-toi, n'hésite pas à faire un retour en repassant sur un live si t'en as l'occasion et l'envie. Hein. J'ai également une chaîne YouTube où je... Ouais, Zizbili, là je crois que j'ai un peu raté mon cerf. Hein. Je me suis totalement foiré. Je ferais pas un bon chasseur dans la vraie vie. Vous pourriez pas beaucoup manger avec moi. En général, ils sont souvent. Alors, si je dis pas de bêtises, ils sont souvent en train d'essayer de boire un coup. Ils sont souvent en train d'essayer de boire un coup, les petits loulous là. Oh là-bas. Alors là, donc, vous me dites les jumelles. Alors, on va prendre les jumelles. On va regarder. Et là. Ça me dit pas. Vous savez, ça me dit pas. Mâle, femelle. Ça me donne juste ça me donne juste la distance. J'arrive tout doucement. Je vais me rapprocher au maximum. Alors, check le sens du vent. Je fais comment pour voir le sens du vent? Ah, là. Peut-être. Parce que là, ouais, ça me dit pas non plus. Alors, il est à combien? D'accord, donc en fait, il faut que je regarde avec la jumelle. Faut que j'arrive à l'avoir. Donc lui, genre, il est à 162 mètres. Et lui, il est à 156 mètres. D'accord. Mais lui, il est plus gros. J'arriverai peut-être plus facilement à l'avoir. Alors, 162 mètres... Le point zéro, il faut que je mette à peu près à 150 mètres, je pense. Oh, je l'ai eu! Je l'ai eu là, non? Je crois que c'est encore raté. Avec le sang du chasseur, tu auras toutes tes infos. D'accord. Et heureusement que vous êtes là. D'accord. Et du coup, s'il avait fait ça sur le cerf, j'aurais eu toutes les infos. Et je l'ai touché le cerf, on est d'accord là. J'ai vu du rouge. Heureusement que j'ai réussi à tuer. Ouais, touché. Hein. On est d'accord, Alexandre. Et je pense que j'ai touché au niveau de la. Au niveau de la poitrine. Donc peut-être. Il va peut-être falloir que je suive les traces de sang. Enfin, mais c'est chaud à suivre les traces de sang, même avec l'instinct. Hein.
Ah là. Il est là, je crois. Je crois qu'il est là. Je l'ai peut-être eu. Mon instinct. Ah. Ouais, épaule, ouais. Alors, je sais pas s'il était épaule ou... J'avais l'impression qu'il était là. Bah, on va utiliser l'astuce mode photo pour pas me faire choper. Ah, je suis encore bloqué par la distance. Ah! Alors, c'est quoi? Distance avant la mort? 0 à 50 mètres. Donc, ça veut dire qu'il est dans un rayon de 0 à 50 mètres. Je vais réutiliser le mode photo. Hein. Tache de sang devant toi à 10 mètres. Bon, ça, ce sont des oiseaux. J'espère que c'est pas ça que je suis en train de capter au niveau de. T'avais vu les traces de sang, Budapest? Attends, je vais revenir sur celle de base. C'est de celle-ci dont tu parlais? C'est de celle-ci? Ah là. Ah. Je le suis. Et là, ça me dit quoi là, ça? Ouais, voilà, attends. S'il est... S'il est rond blanc avec l'instant. D'accord, oui, voilà, ouais, c'est ça. Ah, bah, il est là. Là. Ah, c'est ça. C'est ça que vous disiez tout à l'heure. Bon, ceci dit, je veux choper ce foutu cerf. Donc là, voilà, 100. Donc il est par là. Il est là. Là, là. Il est là, là il saigne. Il est là. Ah, je l'ai. Ah, bon, ça va, bah désolé, hein. T'étais beau.
Alors, je l'ai touché où? On va voir. Je l'ai touché dans les poumons. Je l'ai touché dans les poumons. Intestin, foie, crâne. Ouais, je l'ai pas eu en pleine tête. Ouais, je l'ai eu dans les poumons. Alors lui, surtout, il faut le prélever, hein. On va pas se faire une taxidermie là-dessus. Alors, vous avez appris les bases de la chasse. À présent, tous les objets de la boutique, tous les modes multijoueurs et toutes les régions disponibles sont accessibles. Bah voilà. Le ranch de l'ours, dirigé par votre grand-père, fournit de la viande de gibier chassée de manière éthique à de grands restos. Ok. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va chasser, attends. Ouais, parce que la tête, si tu veux faire de la taxidermie ou un truc comme ça, ça doit pas être la folie non plus, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On y va en mode chasse? Ah bah accepte les nouvelles commandes. Moi j'aimerais bien voir ce que c'est ça, donc. D'accord, donc en fait il faut retourner au ranch et faire ça. Mais avant de faire ça, je vais peut-être. Là ici, il y a l'air d'avoir quelque chose. Je dirais qu'il y a un oiseau là. Là ici. Peut-être pas mettre le point zéro à. Il y a l'air d'avoir un oiseau ici. Bah oui, il y a un oiseau. Un faisan, je dirais. Bim! Oh non, je l'ai eu! Je l'ai pas eu! Si, voilà! Oh, je l'ai cartouché! Oh, je l'ai cartonné! C'était quoi alors? Un faisan! Je te conseille de continuer l'émission au début. D'accord. Bon bah là je l'ai pas touché dans la tête, on est d'accord. Du coup, vas-y, je vais faire de la taxidermie. Je vais d'abord essayer, je vais essayer de découvrir. Il y a l'air d'avoir, il y a un truc ici à découvrir. Et après je vais aller faire les commandes. Bon, attendez. Hop. Boum. On va y aller tout de suite, ce sera mieux. Alors, attends. Alors, je vais regarder. Hein, par exemple, là, pour le faisan, tu as utilisé le mauvais calibre. Et donc, ça te rappelle. Ah, yes. Ok. Donc, en fait, ouais, il faut bien chasser. Oui, parce que là, en fait, en gros, j'ai chassé un faisan avec un char d'assaut, c'est ça? Parce qu'avec ce que j'ai, normalement. Avec ce que j'ai, c'était normalement pour chasser les cerfs. Mais est-ce que je vais pouvoir m'équiper de plusieurs armes du coup? Oui, là, c'est ça. Nine Rock Game. Nine Rock Game, ce sont les développeurs. D'accord, oui. Donc, ouais, je viens de chasser le faisan avec un char d'assaut. Alors, bonjour Wallace. J'espère que cet email te parviendra. Comment vas-tu? Comment ça va chez toi? Ça y est, c'est le moment de l'année où Cheng veut ajouter de nouvelles touches farfelues à notre menu. L'année dernière, tu le connais, l'année dernière, c'était le canard de Pékin.
Et cette année, il veut s'en prendre à notre recette de poulet. Il existe différentes crises de la cinquantaine. Bon, c'est quoi ta mission? Nous allons améliorer notre poulet du général Tso, mais avec de la viande de faisan. Ouais, j'en ai. N'hésite pas à revenir pour voir. D'accord. Donc, je sais où sont les faisans, déjà. J'accepte la mission. This reminds me when Grandpa went for a pheasant hunt and forgot to take a shotgun. Du coup, je vais changer d'arme. On est d'accord, je vais les chasser avec la carabine de papy. Salut Dimitarba. non, moi je. Alors, moi, alors ça dépend, tu joues sur quoi? Tu joues sur Xbox ou PC, PlayStation? Alors il faut que j'aille tuer des faisans. Est-ce que j'ai un voyage rapide, genre quand j'ai trouvé une cabane? Non. Bon, les faisans sont dans cette zone, hein. Ah, t'es sur PC? Ouais, donc sur Steam, c'est 19h. 19h ce soir. On est d'accord, Globule, hein? Le faisan se chasse plus avec un fusil qu'une carabine. Donc là, je suis bien, là. Inventaire. Alors, je viens de l'acheter justement et je pensais pouvoir régler musulman, ce sera pas ce, ce sera que ce soir. Ouais, c'est ce soir 19h sur Steam, si tu l'as pris sur Steam. De toute façon, ouais, sur PC tout le monde achète sur Steam en fait. Ou Epic Games, mais bon, c'est majoritairement Steam. Et un globule, on est d'accord, là j'ai le fusil de papy, donc on est plutôt bien, hein. Allez, on va aller marcher. On va marcher 1 km. De toute façon, je sais où sont les faisans. Donc, en fait, quand tu joues à ce genre de jeu, il faut avoir quand même une certaine connaissance. Il faut avoir une certaine connaissance. Et merci beaucoup de tous les conseils, hein, parce que. Moi sinon, bah, tu vois, voilà, je chasse les faisans avec un char d'assaut et je chasse les cerfs avec une sarbacane. L'instinct du chasseur. J'ai l'instinct du chasseur. N'hésite pas à me follow, Dimitri. Alors, je sais pas trop, cela dépend de la catégorie de munitions. Wow, je pense pour commencer, sinon il m'aurait dit d'acheter. Bah, de toute façon, je vais regarder. Et si ça va pas. Bah, de toute façon, en même temps, j'ai pas d'argent, donc il faut que je chasse. J'ai pas d'argent là pour l'instant. Donc, il faut. J'ai pas le choix, il faut chasser. Il faut que je chasse le faisan. Il me faut de la thune. Bon là, vu que je sais que je suis à 900 mètres, j'y vais un peu comme un bourrin, hein, histoire d'avancer. Que j'ai repéré les faisans. Les faisans m'ont repéré. Alors, tout doucement. Mais la technique du mode photo, elle est bien. Alors, ouais, ça doit être bon s'ils te disent de faire cela. Ouais, voilà, je pense au début, ils essayent
un petit peu de nous guider, on va dire. Oh. T'es quoi toi? Je sais pas, bah je vais te tuer, on verra bien. Oh là, mon point zéro, il est à 200 mètres là. Pan. Je suis vraiment un chasseur de... Salut Yannick, ça va? Merci à toi d'être présent. Bienvenue sur le live. Alors j'ai mon super assistant Globule. Heureusement qu'il est là, sinon ce serait compliqué. La vieille carabine de papy. Un faisan, yes. Du coup je le vends. Ouais, voilà. Eh, t'as vu, pourtant je suis avec le, je suis pas avec un char d'assaut. Ah, je sais où je vais me mettre. Il faut que je me mette dans l'observatoire là-haut. Ouais, je vais aller ici comme ça, les faisans ne me verront pas. Tu chasses dans la globule, tu chasses dans la virelle? T'as l'air de super t'y connaître, ou alors c'est que tu fais énormément de jeux de chasse. Moi j'ai dit, hein, en chasse j'y connais rien du tout. Ouais, bah c'est, hey, franchement Globus c'est pareil. Tu vois, ça ce que je suis en train de faire là, mais je le ferai jamais en vrai. Après attention, hein, je respecte, hein, c'est un... Moi j'aime trop les animaux. Je serais dans le mal en fait si je faisais ça. Parce que tu fais beaucoup de jeux de chasse. Je pense que depuis l'observatoire, je vais pouvoir en avoir des faisans. Sans trop me faire choper. Ouais, voilà. Il y en a un autre aussi que j'avais fait. Ah, je sais plus. En tout cas, les faisans, ils sont beaucoup moins méfiants que les cerfs, tout ça. Attends, je ne pourrais pas chasser IRL non plus. Ouais, voilà. Mais après, la chasse permet de réguler. Bah ouais, voilà. Ouais. Voilà, t'as parfaitement résumé la chose, Don Diego. Fait dans les règles. Ah, moi, j'ai des amis qui m'avaient dit, ah, vas-y, viens à la chasse et tout. Et j'y suis allé une fois et voilà, j'ai
Bah, comme tu dis, comme le dit Don Diego, j'ai vu des choses et ça m'a pas plu entre eux, franchement. Après, je suis certainement tombé sur des mauvais, hein, forcément. Il y a des bons et des mauvais partout, mais j'avais pas aimé. Moi, pour moi, toi, un bon chasseur, il est proche de la nature, tout ça. Et là, c'était pas le cas, en fait. On était sur des gens qui. Enfin, c'était. J'ai l'impression que c'était tuer pour tuer et c'est pas cool. Ouais, ça a dû être chaud pour toi, Globule, quand t'es dans une famille de chasseurs et que tu chasses pas. Parfois, il y a certaines choses, certaines traditions familiales, si tu les suis pas, ça peut être chaud bouillant pour toi. Hein. Bon, je crois qu'en restant là, je vais pas avoir beaucoup de faisans. Moi, ça va, j'étais pas dans une famille de chasseurs, tout ça, donc. Pourquoi je marche tout doucement? Ah, le sommeil peut-être, non? Faut pas que j'aille me coucher. Je pense que j'ai dû activer un pas de loup. Alors, mon père aimait l'âge. Alors, proche de la nature. C'est ça. Non, mais. Enfin, tu comprends quand je dis proche de nature, c'est. Voilà, tu sais, t'en as. Regarde, alors, il y a l'éternel sketch des inconnus, toi. T'as le bon et t'as le mauvais chasseur, quoi. Et t'as le bon chasseur, t'as le mauvais chasseur, il voit, il tire. Mais t'as le bon chasseur, il voit, il tire, mais c'est pas pareil, quoi. Mon père aimait la chasse, pensait retrouver tranquille en nature, il ne tirait pas beaucoup. Mais il aimait. Ouais, bah oui, c'est ça aussi. Après, moi, par contre, je n'aime pas du tout. Je déteste. Voilà, les chasses à courre. Ou alors quand on bloque un animal. Là, il y avait des vidéos un peu dégueulasses là où des gars avaient épuisé un cerf en ville et tout. Enfin, c'est horrible, quoi. Ouais, bien sûr, hein, sincèrement, chacun est libre, hein, mais voilà quoi. La chasse, sujet délicat. Pas un petit faisan là, faisan, faisan. Ou comme si vous connaissez Cyril MP4. Kiki. Oh. C'est quoi ça? Je sais pas. On va le tuer. Alors. Ah bah tu vois, voilà. La chasse, ok. Ouais, bah voilà, Don Diego. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est. Après, tu vois, chasse et souffrance animale, c'est difficile. Difficile, ouais. Je l'ai où? Ouais. Ah, oh, bien. Ah oui, je l'ai bien eu lui. On va le vendre comme ça fera de l'argent.
Après, bien sûr, hein, comme je dis, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de... Tant que c'est dans les règles. Tant que c'est dans les règles. Hein. Ouais, voilà, Blaireau, bien vu, hein, bien vu, Don Diego. C'est marrant, il a pas fui. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si les IA des animaux sont bien configurés par rapport à leur attitude qu'ils auraient IRL, quoi. Je serais curieux de savoir ça. Il y a Gameology, il y a une chaîne YouTube, c'est Gameology, où ils analysent. Alors, il y a des vidéos avec des easter eggs dans plein de jeux, donc GTA, Red Dead et tout, Last of Us et compagnie. Et il y a des vidéos où, par exemple, un jeu de survie, et ils prennent, genre, je prends un exemple, hein, ils vont prendre Mike Horn, ou le gars de Man vs Wild. Il va dire non, non, ça c'est pas possible, non, ça c'est, si ça c'est possible, ça c'est pas possible. Bien sûr, je parle des jeux qui essayent de dire, de simuler la réalité, hein. Pas les Call of, pas les Far Cry, pas les jeux forcément. Alors là, il y a quelque chose. Analyser. Ça va me dire qu'il y a des cerfs ici. Ah, les blaireaux. Voilà, les blaireaux d'Amérique. Voilà, j'ai découvert un endroit où il pourrait y avoir des blaireaux. Alors, Alfredo, salut. Alors, vis-à-vis, d'après ce que j'ai vu, oui. Au regard des vidéos live que j'ai vues, cela a l'air pas mal comme là. Bah, écoute. Écoute, Alfredo. Moi j'ai déjà joué à l'autre. Par rapport à ce que j'ai fait, ça se ressemble, mais ça a l'air quand même un peu mieux. Alors Globule, tout ça, il y a Globule, il y a Don Diego, tout ça, il joue vraiment beaucoup au jeu. À ce style de jeu, ils l'attendent avec impatience. Je pense qu'ils seront peut-être plus à même de répondre s'ils trouvent que le jeu est plus sympa ou pas. Blue, alors je sais pas où tu habites. Tonight, comment on dit ça? 19 hours tonight. J'ai un anglais tout pourri, je sais. Je me rapproche de mon point faisant. Alors, deux philosophies différentes entre... D'accord, attends, je regarde. Non! Il y a des pubs! Faudra que je regarde pour retirer ça. Papapam. Alors, Alfredo, ouais, donc je disais... Bah voilà, il y a Globule et puis il y a Globule dans Diego qui joue pas mal au jeu. Et voilà, ils peuvent mieux te donner un avis que moi parce que eux ils jouent vraiment beaucoup. Ils ont plus d'expérience que moi sur le jeu. Donc et là, voilà, ils doivent deux philosophies différentes. N'hésite pas hein, si tu veux développer le jeu, semble prometteur et je pense sera meilleur. Ouais, bah oui. Des patchs, des DLC. Oh, il y en a un. Oh, il y en a un là. On est humain. Là, je suis vraiment un chasseur bourrin sérieux. Ouais, je pense, hein, parce que après, il faut jamais oublier, hein. C'est comme il y a plein de gens qui disent quand il y avait comment il s'appelle Cyberpunk dit ouais le jeu est buggé
Ils disent là The Witcher Century, mais The Witcher, il a eu 200 000 patchs ce jeu, et quand il est sorti, il n'était pas au top non plus. Toi, par exemple, là, toi, je suis obligé d'être loin pour dire de récupérer l'animal. Bon, par contre, je suis un chasseur tout pourri. Hein. Oh, bah tiens, regarde. Voilà. Je vais pouvoir envoyer ça au resto. Oui. Oui, et alors ce que tu dis, c'est totalement vrai. Tu sais, c'est un peu comme... Il y en a plein qui sont là en train de dire... Et attention, hein, bon, je crois que je l'ai bien eu, lui. Donc là, j'ai fait l'objectif. Récupère le courrier dans la boîte à lettres. Bon, on va prendre le voyage rapide. Il y en a plein qui sont là. Ouais, ça one shot direct. Ah ouais, moi je suis un bourrin. Il y a plein de gens qui sont là en train de dire ouais, Xbox, vous êtes des gros abrutis. Les joueurs Xbox, Microsoft, tout ça, sont des gros abrutis. Et de l'autre côté, hein, PlayStation, vous êtes des gros abrutis, etc. Enfin, on voit des choses ignobles sur les réseaux, hein. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte que si Xbox n'existait pas, et que si PlayStation n'existait pas, on paierait pas nos X... Je parle de côté console, hein. On paierait pas nos Xbox 499. Vous pouvez être sûr que la PlayStation 5 et la Xbox Series, ça serait pas à 499 euros. Ils pourraient la mettre à 699 euros. Ils pourraient mettre leur jeu à 90 euros parce que... Voilà. Et puis après, la concurrence, ça permet aussi de se surpasser, de dire... De pas se reposer sur ses lauriers et dire bah voilà, c'est bon, et on est tranquille, de toute façon on s'en fout, y a que nous, ils ont pas le choix. Oui, et par rapport Elfredo, bah justement c'est pour ça qu'il m'a expliqué ça, Don Diego, Globule, ils m'ont expliqué, c'est Dear suivant le fusil en fait. Alors qu'est-ce qu'il dit? Thank you so much for Je helping t'ai me déjà with the dit Bear un Den million de Ranch. fois, mais je ne te dirai un milliard de fois. Merci du fond du cœur de m'avoir aidé au rang des ours. Les restaurants me confirment toujours les réservations par email. Tu as dû écrire le mot de passe de mon adresse email. Je pourrais être heureux de voir que tu as de nouveau. Oh, facteur pour l'écrire ici. J'étais comblé de joie lorsque j'ai appris que tu avais décidé de reprendre le noble art de la chasse. Malgré la désapprobation de ton père, il en a dû faire. Tu peux faire tes propres choix. Oui, il nous a écrit un super coin. Bonjour, j'ai préco, il sort à quelle heure? Alors, qui connaît? Si tu joues sur PC, voilà, bah parfait. Merci Don Diego, merci Globule, c'est 19h. Alors, j'ai été comblé de joie. Ah non, ça c'est bon. Lorsqu'il a découvert. Que je t'amenais chasser quand tu étais petit sans sa permission et qu'il t'a interdit de revenir avec moi, j'ai eu le cœur brisé. À présent, cette nouvelle permet de soigner les cicatrices de mon cœur, à la fois métaphoriquement et physiquement. Tu te souviens d'Hollywood, le petit Fan, à qui tu avais donné un petit nom, à un nom, quand nous l'avions aperçu, alors qu'il n'avait que quelques semaines. Bah de rien, tu joues sur quoi, Kikounette? Tu joues sur PC? PC, Xbox, PlayStation. Il n'est toujours... Ah, et bien sache qu'à présent, il n'est plus tout jeune et malheureusement, il possède les mêmes bois difformes que son père. C'est un trait génétique qui va perdurer. Je n'ai qu'une chose à te demander. L'empailler. Oh, putain! It was summer 2002. And 10-year-old River was about to Ouais, spend donc voilà, his donc first 19. holiday Ouais, with his 19, c'est ça. grandparents. River could feel the adventure and mischief in his young bones. Why has River never visited his Ah, grandparents yes, before? Yannick. Wow, Dad! Ouais, c'est un peu plus tôt, hein, sur, What? sur Play. Ask his father. Il arrive à 15h, c'est Which ça? one is away, bud?
mule deer or white tail deer? Alors le Chris, le Chris, si jamais tu, alors si jamais il y en a non, parmi entre vous qui jouent sur Xbox, vous allez dans les paramètres de votre console, vous allez dans Région et vous mettez Nouvelle-Zélande et vous pourrez jouer. C'est bien, moi vous êtes sur mon stream et je voulais partir pour aller jouer, c'est sympa. But not everyone shared their elation. Bon, en gros, c'est 15h console et 19h PC, quoi. I saw a deer. It was probably a white-tailed because he had a white butt. Mule deer also have white butts. How can you tell the difference? Wallace. Richard. I want to speak to you in private. Là, je suis sur, pour info, je suis sur Xbox Series, hein. Series. River was amazed when he entered the lodge. The walls seemed bigger somehow. And the animals looked alive. Wait here. I've got something for you. But that summer, there was one thing River was forbidden to even think about. To be crystal clear, you were absolutely not allowed to let him anywhere near a gun or anything. Dorian, mais tu sais, des fois, le Chris sur un autre jeu. Des fois, ça peut arriver, t'as peut-être un autre jeu que t'attends. You know what I mean. Will you help me finish it? Après, je l'ai déjà dit. Days went by. J'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pour moi le jeu, toi. Il sort le 16 août, il doit sortir le 16 août, il doit être là à minuit en fait, il ne doit pas être là à 18h, sinon limite sortez-le le 17 à minuit du coup. That's how we met April and Noah. Hi, I'm River. Ouais, franchement. Ah. Même 3, 4, 5 heures, hein, c'est bon. Hein. De toute façon, au final, après, on va bosser. Et puis, on va être au boulot et on pourra pas y jouer. Donc, No. Real hunters are ethical. They wouldn't make an animal suffer like this and not even retrieve it afterwards. River kept making the best memories he could that summer. He was also determined to find out more about his mother. As his father and grandfather never spoke of her. I didn't know my en tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Oh, you found the album. Et ce genre de jeu, c'est pas ce qu'il peut streamer aussi. You'll have to ask your grandfather. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils streament. Ils vont streamer du bankable, ils vont streamer du vu, parce que du vu, ça fait des sous. Time flew by. Moi, je stream de gros jeux, mais je stream aussi plein de petits. Parce que je les aime bien aussi, quoi. On the last day, they made a new friend and named her Echo. Ah, c'était ça Echo qu'il faisait au début. Parce qu'au début, il disait qu'il voulait faire Echo, je sais pas quoi. Alors, rendez-vous aux prairies où se trouve Hollywood. Attends. Vous sentir, n'oubliez pas que même si vous ne les voyez pas, les animaux peuvent repérer votre présence. D'accord. Bon, il faut que j'aille changer de fusil, alors s'il faut que je tue Hollywood. C'est dégueulasse, en fait. Il dit, t'as vu, tu te souviens, tout petit. Par contre, je sais pas s'il faut que je dorme. Il faut que je regarde, c'était écrit sommeil. Il y a un truc, c'est écrit sommeil. Attends. C'est ici, je crois. Là, sommeil. Ah d'accord, ça c'est si je veux passer le temps en fait. D'accord. Espace de stockage, boutique. Ah, j'ai de l'argent. Alors j'y connais rien du tout. Moi je serais plus peut-être pour une lunette. Alors, ça dépend, il y a plein de streamers. Ouais, il y en a, hein, mais... alors, moi, j'aime beaucoup suivre EMB. EMB, il est cool. J'aime bien EMB. Bah, écoute, je suis pas sûr. Regarde. Toi. Ah, principal. D'accord. Ah. Voilà. Calibre 243. Bon, on va dire qu'on va y aller comme ça. Yes, comme ça, j'ai l'arme principale et l'arme secondaire.
Donc ça, c'est le petit fusil. Et ça, c'est le gros fusil. Ouais. Ouais, il y en a un, mais je trouve quand même que. Enfin, c'est plus les tout petits, on va dire les tout petits comme moi, toi, parce que bah, je ne suis rien. Et c'est plus les tout petits comme ça qui font quelque chose, en fait. Bah, on n'est pas dans le truc de dire, allez, vas-y, on va faire des. Ouais, je vais peut-être prendre la voiture. On va faire des vues, on va faire ceci, cela. Moi, je stream le jeu que j'aime bien, en fait. Il va falloir que je retire mon point aussi. Bon, j'avoue, j'avance comme un gros bourrin. Hein. On va prendre la route. Bon, j'ai pris un raccourci, quoi. Ah, attends, je regarde. Va dans ton encyclopédie, tu verras quelle arme pour chasser quel gibier. Animaux. Les f ah, yes! Voilà, le calibre, voilà, c'est parfait pour les cerfs, pour la chasse cerf à queue noire, l'antilope. Bon, en gros, c'est du gros gibier, quoi, je pense. Et convient également à la chasse aux nuisibles. Exactement, Yannick. Et perso, j'ai mon boulot, je l'aime bien. Voilà, moi je stream, je pourrais très bien jouer dans mon coin, c'est juste qu'en fait bah, j'ai mon truc, je stream comme ça. Parfois il y a du monde, parfois il n'y en a pas. Et ça m'empêche pas de m'amuser, de continuer et puis bah, de mettre mes replays. J'ai créé une chaîne YouTube juste pour mettre les replays parce que sur Twitch en fait tes replays ils partent. Ils disparaissent tes replays au bout de 15 jours. Et puis ben comme ça au moins, tu vois, si des gens cherchent une base de données, enfin, ou des streams de jeux. Peu connu, bah, ils peuvent voir 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend les jeux si j'en fais beaucoup. 3-4 heures de gameplay, c'est toujours mieux que des tests. Parce qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, on le sait tous, hein, il y a pas mal de youtubeurs et journalistes, majoritairement journalistes, qui en fait ils jouent pas au jeu et puis ils disent ah, ouais, c'est. Ils jouent 1 heure et ils donnent un avis. Salut Axwell, ça va? Alors, moi je suis dans. Je bosse dans un parc d'attractions. Bah écoute, ça va bien, quoi, les. Merci à toi de ta présence et de ton passage, ça fait plaisir.
Je me suis trompé de touche. Je sais pas si je devrais pas le passer par là. J'espère ne pas trop effrayer les animaux. Le jeu est bien. Bah écoute, là pour l'instant le jeu il est le jeu il est vraiment pas mal et on a fait les tutos. J'ai galéré, à tuer un cerf. Mais ça va. Non c'est sympa, comme jeu. Bah de toute façon. Après, je regarderai avant de stopper le live si on peut faire la campagne en multi. T'es beau toi. Je sais que vous m'avez repéré les gars, je sais. Je vais regarder avant de. Alors déjà le multi tu le débloques pas tout de suite, faut d'abord finir les tutos. Le mode libre aussi. Bon en gros tu joues une bonne heure et c'est bon. Ah il y a un point d'observation là-bas. Je vais passer par là. Ce sera mieux. On pourra peut-être plus le voir et voilà. Ouais, voilà, c'est... Il a des bois tordus, c'est ça. Mais je pense qu'en allant là-bas, en allant là, je pourrais mieux observer ici. Sans trop me faire repérer par les animaux. Salut Blood, non! Non, ils sont pas barrés ici! C'est pas là-bas! Parce que je les avais vus tout en haut, moi j'avais vu tout. T'es sûr, ils se sont barrés? Non! Eh, franchement, je suis un chasseur de merde! En fait, t'as commandé un bon chasseur et puis tu l'as commandé sur Wish, tu m'as reçu en fait! Vraiment mauvais en chasseur. J'essaie de. Alors, je marche accroupi, c'est pour essayer de faire le moins de bruit possible. Oui, à gauche, je crois. À gauche, mais je crois qu'il est un peu plus loin. Parce que tu vois, il y a le point jaune là-bas. Donc, c'est en train de me dire qu'il est à 215 mètres. Et n'empêche, on est d'accord pour me dire que, en gros. Tu te souviens du cerf et tout, tu te souviens de lui. On est en train de me dire ça et puis on me dit tu te souviens, tu l'aimais bien, tu lui as donné un petit nom, Hollywood. Bah, allez, va le crever. On me demande d'aller le buter en fait en disant, ah, t'étais content de lui mettre un petit nom. Hein.
C'est un peu comme si t'as un chien, oh, t'aimes bien ton chien, donne-lui un petit nom. Allez, maintenant tu le tues. Ouais, j'avais entendu à gauche, ouais. Ah bah je suis bête, le vent en fait on voit, il est à 5 mètres par seconde. Et là le vent il va être dans sa direction. Mais je crois qu'il faut que j'aille là-bas et que je repère la piste. J'ai entendu bouger ici. J'ai vraiment envie d'aller là, voir. En fait, j'entends des bruits partout. Alors, je suis pas sûr. Non, mais les animaux, c'est chaud. Ouais, voilà, ouais. Ah bah là, là, c'est. Là, bah tout à l'heure, j'avançais comme un gros bourrin. En fait, les animaux, ils m'entendent à. Ils m'entendent de super loin, toi. Là, si je passe dans les broussailles, ils vont entendre, ils vont partir. Il faut que je passe à côté et tout. C'est chaud. Ah, observatoire. Lorsque vous chassez depuis un observatoire, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous n'avez pas le choix que d'attendre. Ah, bah ouais, voilà ce que je disais, ça atténue les bruits et l'odeur, voilà. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille là et que je. À mon avis, il faut que j'aille ici. Il y a sa piste ici. Et après, je vais devoir le traquer et aller jusqu'à lui et le. Et tuer Hollywood. Ouais, voilà. Bah tout à l'heure, il y a Globule, il y a Don Diego, tout ça. Ils étaient en train de dire que c'est dommage, on en avait parlé, c'est dommage que ce soit pas dans le Game Pass ou des trucs comme ça aussi, ce genre de jeu. Il y a eu ça tout à l'heure sur le chat. Et c'est vrai que ce genre de jeu permettrait de faire découvrir, en fait. Bah, le Game Pass permettrait de faire découvrir ce genre de jeu. Là, je pense que là, quand je vais être au point là, ça va me donner une piste pour le suivre. Avec l'instinct. Alors, j'essaie d'éviter d'aller dans les broussailles pour pas me faire trop repérer. Là-bas, il y a quelque chose. Il y a un truc là. Cerf mulet. Alors, papa, pam, salut, t'es. Tu es le can de. Salut, tu es éloquent. De plus. Ah, merci, c'est gentil. C'est gentil, Napo. J'ai peur de la star. Ouais, des fois, ouais, on a l'impression que. Ouais, ça file un peu la gerbe. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Napo. C'est très, très gentil. Et, mais après, voilà, quand je dis, moi, je suis plus simple. Alors, suivre la piste de l'animal. Après, dans ce monde, dans le monde dans lequel on vit, il faut rigoler un petit peu. Après, aujourd'hui, on peut faire de l'humour, mais on peut pas rire de tout. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas pour la chasse, mais tout le monde fait ce qu'il veut. Chacun est libre.
quand même m'équiper, hein, parce que bon. Je suis tellement un bon chasseur que... Alors il est venu boire ici, je pense, Hollywood. Interagissez avec une trace statique. Now I know they drink here, and I can return another time. Retourner au gîte. Ils sont sérieux? Ils m'ont fait faire tout ça? Alors. Là au sol, t'as une belle coulée, ouais. Je dois retourner au gîte. Bon, bah, on va retourner au gîte. Hein. Bon, j'y vais en voyage rapide, hein. je vais pas refaire tout le trajet. Maintenant que je sais que je peux appeler ma voiture au loin. Ah, la version PC, 19h. Et je vais retirer le point là. Le repère. Ah voilà. Alors maintenant que je suis là, je suis au gîte. On va peut-être me demander de changer d'arme. Ah bah voilà, je savais qu'il fallait dormir. Alors, allez vous coucher et dormez jusqu'au lever du soleil. Et réveillez-vous entre 6 et 9. Bah voilà. C'est déjà configuré. C'est déjà configuré, donc... Dragon's Predator. Salut, Dragon's Predator. Sur PC Steam, c'est 19h. Merci, Globule. Merci beaucoup. N'hésite pas, si t'en as envie, hein, à me follow sur Twitch et puis à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Il n'y a que des replays, hein, j'ai aucune prétention. C'est gratuit et comme ça, ce sera l'occasion de rediscuter une autre fois sur un autre jeu. Je fais plein de jeux. Hein. Donc n'hésite pas. Et puis bah, bonne journée à toi. Et puis bah, merci pour tous tes conseils qui étaient vraiment sympas. À très vite, peut-être. Salut, bonne journée et puis bon courage pour le boulot. De toute façon, moi. Ah merci, merci beaucoup. Moi de toute façon je vais pas tarder non plus parce que je commence le taf dans 2 heures, donc je vais devoir faut bien manger, il faut bien se préparer. Donc sommeil, se reposer, bah voilà, du coup je suis reposé. Pister 2 fois, tirer 1 seule fois, ouais d'accord. Bah alors. Ah je crois que c'est entre 6h et 9h. Je crois que c'est plus ça. C'est pas 18h, c'est 6h. Alors, on est dans un jeu pour la détente. Tu fais du mal à personne, tu t'amuses. Il n'y a pas de mal. Ouais, voilà. Mais bon, c'est très bien hein, aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, tu vas dire un truc et tu vas te faire défoncer, mais tu vas pas savoir pourquoi tu te fais défoncer en fait. T'as rien demandé, mais tu te fais quand même sécher. Mais t'as rien demandé à personne. Rendez-vous sur le territoire d'Hollywood. Ah d'accord, donc en fait, lui, il est là la nuit. Ah bah ça permet de voir un peu la nuit. Enfin, le lever du jour. Je peux pas, j'ai pas un voyage rapide. Alors, que pensez les graphismes sur la série X? Car je l'ai préco, mais j'ai vu sur certains lives quelques graphismes. Alors écoute, la force du jeu, ce sont pas les graphismes, hein, on va pas se mentir. Hein.
Ouais, il y a des textures qui sont. Toi, des textures, toi, bah, je te montre un peu. Hein. Des textures qui sont pas très jolies, tout ça. Mais à chaque fois, ces jeux-là, ils sont pas forcément. Ils sont pas très. Ils n'ont pas besoin d'être très très beaux, tu vois. Voilà, on voit clairement qu'on est dans la nature. Mais oui, il y a des textures qui sont pas jolies. Il faut pas acheter ces genres de jeux pour les graphismes. Si tu achètes ça pour les graphismes, tu vas être hyper déçu parce que, bah, c'est pas. Enfin, façon de parler, c'est pas beau. Mais c'est juste une façon de parler, quoi. Je vais prendre ma voiture. Ce sont pas des jeux. En général, ces jeux sont pas très très jolis. Ils sont pas. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient bons. Moi, en ce moment, je joue à Arcade Paradise. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu de l'année. Le jeu, il est sympa. Toi, là, il y a des textures. Regarde quand la voiture revient. Voilà, les textures qui pop. Bon. C'est pas fou. Et d'ailleurs, si tu joues sur Xbox Series X. Ouais, voilà, ouais, les points. Voilà, c'est ça. Regarde-toi. Ça, c'est voyage rapide. C'est dommage parce que je pensais la Echo, peut-être, toi, ça aurait été bien. Ou les observatoires, mais non. Et comment dire? Je sais même plus ce que je dis. Ouais, si tu joues sur Xbox, tu peux y jouer maintenant. Il faut juste mettre ta console en Nouvelle-Zélande. Tu changes la région dans les paramètres. Bon, c'est pas conçu pour passer. C'est pas Forza Horizon, on va dire. Après le jeu, moi perso, je le trouve propre. Le jeu il est nickel. Là moi je l'ai mis en mode de. Ah, je l'ai mis aussi en mode graphique aussi. Donc je préfère avoir on va dire 4K 30 que d'avoir du 60 en sans la 4K. J'ai pas précisé ça au début sur le live donc bon, j'ai passé là quoi ça. Quiet, move slowly, glass for Hollywood from a vantage point, and hit the vitals from 100 meters. Exactly as Grandpa taught. Ah, le véhicule se salit aussi. Être sur le point de pénétrer dans le territoire d'un gibier. D'accord. Mais je crois que j'ai oublié, il y avait un truc ici. Je sais pas ce que c'est. Là. Peut-être oublier quelque chose, je sais pas. Petit loup, salut petit loup. Merci à toi d'être présent. Ah, les petits malins. Ouais, la Nouvelle-Zélande. Il n'est pas bien optimisé, mais quelques patchs devraient le rendre. Ouais, voilà. Oui, et puis. Le jeu, il est là. Il y aura certainement des patchs, des mises à jour. Il va y avoir des DLC, il va y avoir des correctifs. Ils vont attendre que tout remonte en fait. Ils vont attendre que les bugs commencent à remonter de la communauté, de dire bah voilà, ça serait peut-être un petit peu mieux. Après, ça n'enlève rien au jeu, je trouve le jeu sympa. Alors bizarrement, j'ai moins d'exigences pour ce genre de jeu qui sont un peu méconnus que sur. Des gros jeux où on nous a vendu de la pub en disant ouais, t'inquiète pas, il va y avoir du ray tracing, du 60 FPS, ça va envoyer du steak, tu seras en 17K, 7000 FPS. Et puis qu'au final, bah tu te retrouves avec un jeu moyen. En tout cas, je suis sur le territoire d'Hollywood.
Cette fois, je vais essayer d'y aller dans mon observatoire pour voir. Fais attention au vent pour ton odeur. Ouais, je vois le vent, il est à 5 km/h et dans son sens. Et ça, j'ai peur qu'en allant là, eh ben, il va me sentir là-bas. Ouais, bah oui, je pense aussi. Hein. Je pense aussi, ouais, je suis d'accord avec toi, Blood, c'est que le truc c'est scripté pour pas qu'on soit paumé, quoi. Son tuto, il est là pour nous guider, hein. Pour nous apprendre les différentes choses. Même si des fois, il y a des tutos, ils sont pas tip-top quand même. Il y a des trucs, t'arrives, tu dis... Ah ouais. Ou alors, on te montre un truc à faire. Mais genre, ce truc, tu le feras au bout de 3 heures. Et bah, tu t'en souviens plus. Non, t'as pas envie? Ah, voilà, j'allais dire, t'as pas envie de... Ah, mais il l'a vu! Il a dit, voici Hollywood! Voilà, on voit que les textures elles sont pas folles. Bah désolé, désolé de t'avoir fait dépenser de l'argent, Elfredo. Ouais, mais c'est ça, mais. Moi je vais. J'ai préco aussi. J'ai préco Saints Row. Parce que j'aime bien la. Je vais le faire en stream, hein. J'ai préco Saints Row aussi parce que j'aime bien les Saints Row. Attends, il a dit hey, c'est Hollywood. Bah ouais, mais là. Il est là. Il est là, Hollywood. Hey, on joue des monts, bah écoute, ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Ça va toujours. Je suis en train d'essayer de chasser un cerf que j'ai vu naître et que j'ai dit, ah oh, salut, je vais l'appeler comme ça. Puis là, en fait, on me dit, bute-le. Faut que je le tue, en fait. Ouais, et puis la fin d'année, elle va être violente en jeu. Moi, là, je sais que je vais streamer God of War, Gotham, enfin voilà, il va y avoir trop de trucs. Est-ce que c'est Hollywood ça? Marrant, il me parle d'Hollywood, mais il est où Hollywood? Où est-ce que tu es Hollywood? Je t'ai vu naître, je veux te voir mourir, s'il te plaît, laisse-moi te tuer.
Ah ouais, t'arrives à... Blood, t'arrives à savoir que c'est un cri... Bon, oh là là, mais j'ai... Moi, pour moi, c'est un bruit. Et franchement, je suis incapable de te dire c'est un cri de mâle, c'est un cri de femelle, c'est un cri de ceci, cela. Par contre, il faut que je fasse attention parce que le vent, il est dans leur direction. Donc, il faut peut-être que je me mette par là. Je suis pas sûr que je vais réussir à voir Hollywood là aujourd'hui. Donc là, le vent, il est à l'opposé. Ouais, c'est clair. Cours pas, amigo. Ah, le cri. Ah, c'était marqué. D'accord. Oh! Donc là, je l'ai peut-être repéré, non? Ah, j'avais vu des empreintes. Sermulet, ça doit être lui. Alors, rassurez-moi. Je suis bien en train de regarder dans la bonne direction. Je vais tout doucement, tout doucement. Oh. Les traces descendent vers la rivière. Ouais, donc peut-être qu'il passe par là, non? Donc je vais peut-être essayer de remonter à lui, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis toujours dans le domaine, dans le territoire d'Hollywood, ouais, c'est bon. Là, il y a encore des empreintes. Ah. Là, ça va dans quel sens? Ouais, j'ai entendu. Un mâle. Hollywood, c'est lui. Il est là. Est-ce que c'est Hollywood ça? Je pense pas, il a pas des bois chelous.
C'est lui? Ah, donc c'est lui là-bas Attends, hein, tu me dis c'est lui. Parce que là, il y en a plein. Sermulé, analyse de bruit, ouais. C'est lui, Hollywood? Tu penses que c'est lui? Ouais, je vais regarder. Il est censé avoir des cornes un peu chelou, on est d'accord? Alors ça, c'est une femelle. Donc c'est pas Hollywood. Ah, il est là, il est là! C'est lui là. Là ici. Là c'est lui. Touché. Ah j'ai touché. Je l'ai touché. Je crois que j'ai foiré. Je vais aller voir. Pour vous, j'ai touché ou pas? Je crois que j'ai touché. Hein. J'avais bien réglé mon point zéro. Attends, il faut régler une lunette. Ouais, bah c'est ça, il était à 200 mètres et j'avais mis mon point zéro à 200. Donc logiquement, je pense avoir touché. Ah là, il y a des choses à repérer là. Des crottes. Mais moi, je veux d'abord repérer. J'espère que je vais repérer du sang. Ah, touché. Je l'ai touché. Poisson qu'il est. Non, ça, ce sont les empreintes de pas. Là, moi, je veux du sang, moi. Attends, attends, attends. Attends, 200 mètres avec une arme, c'est chaud. C'est vrai. Je vais devoir courir longtemps. C'est ça. Parce que regarde, j'ai touché. Hein. Regarde, attends, attends. Ah, c'était où? Et c'est où ça? Là, regarde. 100. J'ai touché. Voilà, comme ça j'ai repéré un truc. Je l'ai vu courir par là. Ah.
Salut Kevin, alors si t'es sur console c'est 15h, PlayStation et Xbox et sur PC ce sera 19h ce soir. Ouais mais j'essaie de suivre la piste de son mais j'arrive pas à la voir. J'essaye de... Attends, je vais courir, je sais, il faut pas courir mais... Non, cours plus. Voilà. Vous avez un astuce, une astuce pour suivre bien les traces de sang, parce que... Un peu, j'ai touché. Ouais, Xbox, ouais. Et si tu veux y jouer tout de suite, il faut mettre ta console en région Nouvelle-Zélande. Tu vas dans les paramètres, tu fais région Nouvelle-Zélande. Ta console, elle va redémarrer, tu pourras jouer maintenant. Bon, je crois qu'Hollywood, je l'ai raté là. Alors, en tout cas, merci pour tous vos conseils, tout ça, hein, parce que... Alors, attends, je regarde. Tatin, ouais, mais le sang rouge, sûrement clair, pas de bulle, on va voir, mais... Ah, d'accord, ouais, d'accord. Moi, là, je suis sur Xbox, Kevin, pour faire une idée. Bon, attends, je vais essayer d'aller par là, on va voir. Je dirais qu'il est par là aussi, non? Vous diriez qu'il est par là, là? Poum, bon, déjà, ça va, je l'ai pas chassé. Ah, attends. Moi, je l'ai vu partir en courant, cette saleté là. Je l'ai vu partir par ici, moi. Enfin, dans cette direction. Yes, Nanix. Bah, de toute façon, bah, moi aussi, je vais devoir arrêter. Hein, là, je taffe dans 1h30. Ça va être chaud pour moi. Bah, écoutez, bah, je reprendrai à. Je reprendrai la prochaine fois. Bah en tout cas, sincèrement, je vous remercie beaucoup de tous vos conseils. C'était vraiment super sympa. Merci Blood, merci tout le monde. Hein. Merci à toutes les personnes. La forme. Ah, t'indiques pas sa forme. D'accord. Merci Blood. Ouais, et ben. Bah écoutez, bah moi je vais devoir m'arrêter là. Parce que je vais bosser. Mais je vous remercie énormément de votre présence. Merci d'avoir été là. Et les conseils, franchement. Au top, Blood, au top. Bon courage à tout le monde si vous taffez cet après-midi. Et puis bah éclatez-vous si vous êtes en vacances. N'hésitez pas, abonnez-vous, enfin abonnez-vous. Un petit follow sur ma chaîne Twitch, comme ça bon, on se retrouvera sur un prochain live du jeu ou d'autres jeux. N'hésitez pas à venir me voir. Et puis bah, j'ai une petite chaîne YouTube avec 24 abonnés. Si vous voulez, vous pouvez me mettre un petit j'aime dessus, un petit abonnement gratuit, ça me fera de la joie. Bon allez. Bah merci à vous en tout cas d'avoir suivi, c'était vraiment sympa. Donc pour rappel, le jeu est à 15h sur PlayStation et Xbox et 19h sur PC Steam. Voilà, bah allez, merci pour tous vos conseils, merci, j'espère que vous avez passé un bon moment, que c'était cool. Et voilà. Allez, je vous dis à très très vite, bon appétit, bon après-midi, puis bah, profitez bien. Allez, salut, normalement demain matin je devrais être présent sur un stream. Salut tout le monde!